20 minutes. Je vais faire du camping sur la côte, sur la côte. Je vais faire du camping avec Isabelle. Isabelle. Michael, tu n'es pas en vacances. N'oublie pas tes devoirs. Oui, Madame Lambert, mais je suis en vacances aussi. Vous voyez, c'est mon jour pour la plage. Tu dois aussi faire tes devoirs. Allez, au travail. Ouvre ton livre à la page 18. Et réponds aux questions sur le camping. Pardon, monsieur. Où est le camping? Le camping est à 2 km. Où est la piscine? La piscine est à droite. Où sont les toilettes? Les toilettes sont à gauche. Où sont les douches? Les douches sont en face des toilettes. Où est le restaurant? Le restaurant est en face. Ok, c'est bon. Nickel! Désolé, Madame Lambert. Je dois partir. Ok, Michael. Amuse-toi bien. Mais surtout, n'oublie pas de faire tes devoirs. Ok, d'accord. Great. The whole family are coming. Goodbye, romance. Ce n'est pas grave, Michael. Tu vas jouer au football avec Alain et aux boules avec Monsieur Garibaldi. Et les plages de Toulon, tu sais, je les connais, elles sont formidables. Oui. Mais pourquoi on met tout ça dans la voiture? Il n'y a pas de place pour les personnes. Isabelle, on va faire du camping et on a besoin de beaucoup de choses. Le linge, les médicaments, les bottes. Le ballon de football, les raquettes de tennis et le bateau. Mais c'est la maison entière que vous avez dans la voiture. Ah non, Isabelle. Isabelle, ton père a besoin de jouer aux boules pour se calmer les nerfs. Et puis, Michael aussi veut jouer aux boules. N'est-ce pas, Michael? Comme un bon joueur français. Oui. Papa, Michael ne veut pas jouer aux boules. Les boules, c'est pour les vieux. Et les sacs? On les met où? Papa, on part pour un week-end seulement. Combien vas-tu faire de sport en 2 jours? Un seul, la pétanque. D'habitude, les Français, quand ils vont en vacances, c'est toujours comme ça. Et hop, la maison entière dans la voiture. En général, les Français prennent tous leurs vacances ou au mois de juillet ou au mois d'août. Il n'y a pas de place pour mon sac. At last, we're off. Bon, on va chanter. Michael, tu connais Frère Jacques? Oui. Frère Jacques, dormez, Jacques, dormez. Bravo, Michael. Merci.
Ok. Pour aller au camping, il faut prendre la route de la côte et après, il faut tourner à droite, non? À gauche. Michael, c'est à gauche ou à droite? À gauche, je crois. Non, ce n'est pas la bonne direction. Hé, hey, Michel, tu ne sais pas lire la carte. Demande à ce monsieur la direction de la route pour la côte. Pardon, monsieur. Où se trouve la mer, s'il vous plaît? Pardon, monsieur. Où se trouve la mer, s'il vous plaît? La mer? Oui. La mer se trouve en face de vous, jeune homme. Merci. Well, it's not easy to miss the whole Mediterranean. Ok, on est arrivé au camping. Cool. Il y a déjà beaucoup de campeurs. Michael, tu viens nous aider, s'il te plaît? Oui. Alain, sors de là, vite! Ah. C'est long, je crois. Hein. Allez, allez, Alain! Non. Mais rends-moi ça! Non, non! Non, non. Hein? Oh! La famille Garibaldi ne fait pas de camping souvent, je crois. Oh non, il faut recommencer. Michael, donne-moi le maillet et un piquet, s'il te plaît. Pardon? Un piquet. Un piquet? Oui. Merci. Et le maillet? Pardon? Le maillet. Le bang, 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 bang. Ah oui, maillet. Le maillet. Le mallet. Voilà, merci. Bravo les enfants, très bien. On va bien dormir cette nuit. Où se trouvent les toilettes? Où se trouvent les douches? Où se trouve le snack bar? Où se trouve la piscine? Ah. Monsieur? Et où se trouvent les toilettes, s'il vous plaît? Tout droit, à gauche. Et où se trouvent les douches? Juste à côté, jeune homme. Ah oui. Et le snack bar? Le snack bar à l'entrée et à gauche. Ah, merci. Ah, et la piscine? Où se trouve la piscine? La piscine? J'ai une grande piscine. C'est la Méditerranée. Le Méditerranée? La Méditerranée, la grande bleue. Ah oui, merci. Je vous en prie. Ok, il n'y a pas de piscine dans le camping. Ah! Voilà les toilettes. Et les douches.
le snack bar. Et voilà la piscine. C'est une piscine énorme. Ah, c'est fantastique. La mer Méditerranée. Merci, Madame Lambert. Michael, tes devoirs de français. Voici des piquets. Donne-moi un piquet. Voici un maillet. Donne-moi le maillet. Voici une tente. Au camping, il y a des grands et des petits. Il y a des gros et des maigres. Michael, concentre-toi. Au camping, il y a beaucoup de gens. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros et il y a des maigres. Il y a des gros. Il y a des maigres. Ok, Alain, ok. Papa te cherche pour jouer aux boules. Oh, je préfère aller à la plage. C'est pas juste. C'est une petite plage très jolie. Les campeurs viennent ici tous les jours. Formidable. L'eau n'est pas froide. Ce n'est pas comme en Irlande du Nord. Je suis sur la côte avec Isabelle. C'est un rêve, Madame Lambert. Merci beaucoup. Bon, il est tard. Allez, au lit. Alain, au lit. Et Isabelle, alors? Je suis plus âgée que toi. Et en plus, je vais aider Michael à faire ses devoirs. On joue aux boules demain, Michael, d'accord? Oui, d'accord. Bon, bonne nuit. Bonne nuit. Isabelle, tu ne te couches pas trop tard. Allez, Alain. Bon. C'est incroyable. Le temps passe trop vite. Oui, mais tu t'es bien amusé, j'espère. Oui, beaucoup. J'espère que toi aussi. Tu vas bien t'amuser à Belfast. Belfast, c'est très différent de sud de la France.
En Irlande, il fait très froid en automne. Oh, ce n'est pas grave. Mais tu vas revenir à Colombrières, j'en suis sûre. Et peut-être que tu vas revenir comme joueur de football. Et jouer dans l'équipe de Marseille. Dream on. Qu'est-ce que c'est dream on? Ça veut dire... je rêve. Tu as des rêves, Isabelle? Oh oui, beaucoup. Je veux voyager partout dans le monde. Je veux aller en Amérique, en Asie, en Afrique. Je veux défendre les animaux sauvages en danger. Je veux tout faire. Wow. Tu veux faire beaucoup de choses. Et les tiens, Michael? Quels sont tes rêves, à part le football? Je ne sais pas. Tu as sûrement un rêve. Tout le monde a des rêves. Non, pas moi. Je te crois pas. Allez, Michael, dis-moi quels sont tes secrets. J'ai un seul grand rêve. Qu'est-ce que c'est? C'est la paix. Bien. Tu vois, tu as un très beau rêve. Isabelle! Isabelle, il est temps d'aller dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci, Madame Lambert. Pour Colombrières et pour les leçons de français. Bien. Allez, maintenant, tes devoirs. Mais les vacances, Madame Lambert. J'aime faire du tennis. J'aime faire du tennis. J'aime nager. J'aime faire du camping. J'aime faire des promenades. Et maintenant, avec le verbe adorer. J'adore. J'adore le football. J'adore la mer. J'adore la France. J'adore les voyages. J'adore faire du camping. J'adore Isabelle.